Pascal Vapin, donc je suis un des quatre veilleurs de nuit du Muséum d'Histoire Naturelle. Je suis là depuis 2000 et donc je fais de la surveillance, de sécurité incendie et effraction. On redécouvre toujours le musée parce que la nuit, il n'y a pas de lumière, il y a des craquements du bois, le musée travaille tout le temps. Et puis il y a des objets qui sont déplacés de temps en temps, donc ça, on peut être surpris. On peut même être très étonné de se dire, tiens, pourquoi il est là alors qu'il y a 10 minutes, il n'était pas. Et c'est très impressionnant. Et les bruits surtout, même quand on entend les oiseaux à l'extérieur, on peut penser que ce sont les oiseaux des vitrines qui, de temps en temps, se sont échappés, enfin, quand il en est rien. Mon oiseau préféré, c'est celui qui est derrière moi, c'est la chouette à fond. C'est un animal qui est d'une pureté blanche quand elle est en hiver, elle est vraiment toute blanche, elle se confond avec la neige, c'est un vol complètement silencieux, et en plus c'est très majestueux.